Bien bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et on se retrouve sur Spyro 3, Year of the Dragon. On est donc arrivé au lac crépusculaire, une zone que l'on va donc explorer avec tous ces joyaux. Donc désormais 600 joyaux par monde, hein, ça rigole pas. Voilà, c'est fini pour aller au dernier monde. Je rappelle qu'il y a les pires niveaux qui nous attendent ici. Nous allons explorer tout ce qui est en surface, j'explorerai les profondeurs après. Là il y a un niveau du temps pour Sparks. Voilà. Hanna Montana. Elle aime faire le show celle-là aussi. Donc continuons à explorer un petit peu la surface. On verra les profondeurs après. Pas tous à niveau qui s'appelle lac lumière. On ne veut pas tout. Donc là, ça fait une belle épreuve. Anti-invincibilité. Resalut Spiro. Plutôt un bouclier d'invincibilité pour atteindre l'autre côté. Et voilà. Stuart Little. J'ai fumé qu'une souris. Pas trop mal ce film là. Bon, j'ai vu quand j'étais gamin. Hein. C'est bien quand j'étais jeune. On va couper tout le haut. Est-ce qu'il y a toute la corniche? La mesure des trucs pour la mesure destructible, je crois pas. Je ne vois pas ce que pour l'instant. On verra le tour. Oula. C'est ça que j'ai eu. Et là, Ted. Ted Bundy. J'ai ses références. Désolé. Ah non, il y a rien là-bas. On va redescendre du coup du intérieur. Là, c'est affusé. Allez, explorons les profondeurs. Ok, là il y a le monde des contes de fées, j'arrive bien à la crête enchantée. Ça coûte à se perdre là, ces profondeurs là. Ah la baleine! Eh la baleine! Je suis là! Je rentre dans sa gueule normalement, mais. Faut un peu mon coup là. Jonah. C'est le mec de la Bible qui a eu le moins de chance au monde. Allez, on va aller vers moi, voilà, franchement. Récupérons le reste. Est-ce mieux qu'il est destructible? Voilà. Et Stubby. Que Stubby d'où? Allez, c'est un chien, voilà. Tous les œufs, bon, c'est récupéré tous les œufs. Je récupérerai les joyaux du coin. Et on sera bon.
il est en train de jouer, là, voilà. Oh, la sorcière a un vrai prix dans les mains. Une vingtaine de rhinos a été nécessaire pour capturer cette boule de poils débile. Pas la peine de te dire que ça va te coûter cher pour la récupérer. Ok, le joyau. Où est-ce que tu vas chercher tout cet argent, Spiro? Se dépense la coule en douce par terre, hein? Non? Oh, c'est pas mes oignons. Il est à moi, maintenant. Bon, pour libérer la créature, effectivement. Le premier souffle revigorant de liberté. Avec l'humilité d'un moine blessé, je m'agenouille devant mon noble sauveur. Pas de problème, mec. Oui. Après tout, c'est quand même moi qui t'ai libéré. Hein? Qu'est-ce que tu dis, avare effronté, fourbe, urgide et malveillant? Une petite minute. Une dernière fois. Au moins. Accorde-moi l'honneur suprême de venir me rendre visite chez moi dans un futur proche. Ouais. Bon. Le compagnon du monde a été découvert et sauvé. On lui rend visite d'ici peu, hein. Je suis juste occupé de joyau et je vais m'occuper de lui. Bon, comment parler, j'ai pas tout. Sur 400, d'accord, il me manque quand même 33. Ah ouais. Là, je vais par là. Là, il me manque plus que 20. Il me manque du vélo à trouver. Je sais pas, c'est vraiment une technique simple. Bah, c'est quoi? J'ai fait de chercher hyper longtemps et de me casser la tête. On va faire un truc très simple, c'est... Je verrai plus tard. C'est des joyaux qui manquent. Tout ça, on en aura tout. Allez, pose de BNC. 600 joyaux là-dedans et 3 œufs. Je t'aiderai volontiers à ta quête, Spiro. Mais d'abord, je dois m'occuper de mon petit frangin. J'ai bien peur qu'il se soit mis dans de sales draps pour... Oui. Donc, nouveau gameplay avec Bentley Unity. Alors déjà, Bentley, il peut utiliser sa crosse pour renvoyer le kill. Et le classique, il peut taper très très fort. Alors, c'est pas comme ça que c'est très agile, hein. Il peut faire un gros saut. Hé, frangin! C'est pas un gameplay qui va être très très subtil, hein. Voilà. Le gameplay de Bentley, c'est je tape dans la sourdingue. Oh, pourquoi ça a l'air foulé comme une merde? Ça, par contre, ça peut avoir. Faut le briser.
pas lourd et élégant. Si tu effectues... Ah, bim. Le neuf, ici là, c'est Brian. Brian isn't in the kitchen. Tu faisais quand même le neuf, toi. Bon. Putain, il faut le tuer comme ça, hein. Voilà. Alors ça te boule toi. Notre gant. Oui, lance à bouboule. Ok, merci. Bon, gameplay est pas non plus très très dur, hein. Pas au début là où il y a juste le petit fusil qui était fait. Si j'avais bien l'impression. Je vais tomber au sol si voilà, regardez. Voilà, c'est le lapin. Sur table de trajet. Bon, par contre, il est pas hyper rapide à Belté, hein. C'est pas le plus rapide, c'est sûr. Là-haut, c'est inactif pour le moment. Voilà. La quête de bloc clé. Voilà. Si on va pas dans le vide, voilà, une vie en plus. Et voici Charlie. Charlie Hebdo. Fracasse. En tout cas, l'avantage c'est que il y a 6 survivants à récupérer dans ce niveau. Ça va rentabiliser une partie qu'on va dépenser pour survivre. Elle est vraiment chère la bouffe. Repartons. Le niveau est pas très grand par contre. Il y a un petit bug là. Je prends ça. Tout ça, un morceau de glace à brûler. Je vois en quoi elle est faite quand même, cette glace. Elle est faite en glace, et pourtant elle est un peu plus résistante. Voilà. Ah, fracasse.
Merci, Franck. Et voici Eric. Eric Cantona. Et voilà, nous aussi repartir, voilà. C'est un joyau. On a vraiment un nombre qui est quand même assez bas, hein, vu tout ce que ça a dépensé. Et là, comme toujours, on va faire un que j'apprécie le moins, ça va m'en débarrasser. Voilà, celui-là. Vaisseau perdu. Il est long, dur, vicieux, avec des épreuves à la con. Fais gaffe dans le coin, petit dragon! Il y a plus de fantômes dans ce chantier que je peux donner coup de pioche! C'est... Bon. J'ai un retour de crabe tueur. Fantôme, il y a des lacs d'acide. Il y a des sur le trou, bordel. Bon sang! Voilà, clairement, c'est tout le monde qui est réno. Là, c'est la fin. Quand on se retrouve. On se retrouve sur le chemin pour y aller. Pour mourir, dans l'acide. Il y a de quoi éviter pour venir arriver. Là, on va massacrer, on va exploser le sale qui est caché là-haut. Oh, on va voir.
là comme ça. Hop 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 hop. Voilà. Et là-bas, c'est beaucoup trop loin. On va faire le tour et on va les massacrer. Bon, j'ai cru qu'il y avait un truc là. Mais bon, j'ai cru qu'il y avait un jeu perdu. Non, c'est juste un petit coquillage, voilà. Oh, jette-y un coup d'œil. Il y a un débile qui a planqué un fichu œuf dans mon trésor. L'œuf, c'est... Craig. Alors, ramasse celui-là. On va voir explorer ici. Bon, alors là... On va faire, on va pas explorer toutes les parties souterraines. La sous-marine. On explorera ce qui est sous la mer juste après, d'accord? Enfin, la mer, si vous parlez, vous m'avez compris. Mais bon, on va se faire tranquillement les piafs. Bon, c'est quoi, on va faire ce qui est ici. Ça se sera fait. Je rappelle que c'est une épreuve, voilà, avec des... Oh oui! Je vais souvent y piquer une tête ici, mais je peux pas chercher de trésor avec tous ces sous-marins en train de... Bon, enfin détruire les sous-marins ennemis. Que je suis fichu. Ok, un autre œuf. Là, c'est Ethel. Ethel et Grotel. C'est pas que j'aime redemander, mais il risque d'y avoir d'autres fichus sous-marins. Encore. Bon, ben, ok. Hein. On va recommencer. Il s'est découlé, mon Dieu. Thank you.
grave. Oh bah il nous envoie plutôt. Et bien fait. Non, où c'était dernier. Ah ouais, tout là. Oui. Oh génial. Yari. Et un autre œuf, on a Dolores. Dolores Ombrage. Bon allez, on joue dans le lac d'acide grâce à notre immortalité, enfin l'invincibilité pour l'instant. Grâce à ça, je peux pas prendre de dégâts. Voilà, on craint tout ça. Allez hop, ce côté-là c'est fait. Maintenant, repartons. Oh, c'est salaud ça. Alors qu'on monte là-haut, heureusement, on a un téléporteur qui nous aide. Il y a un tourbillon là, oui, il y a un tourbillon, regardez ça. Pouvoir retourner là-dedans. Bon, là, c'est arrière. Voilà. Oui, en Afrique occidentale, on appelle ça un château. La partie arrière, ça veut dire. Thank you.
Edith Piaf? Non? Parce que tu veux mourir. Bon, on va trouver un petit point ici. Oh, il a oublié les preuves, je me rappelle très bien. Oh non, cette preuve-là, c'est la preuve de l'absolu. Ah, c'est une nette, si vous voulez y avoir aussi ça. Bon. Les preuves pour la tête, c'est quoi? Je vais vous montrer. Ah. Et on va voir que ici il y a un petit passe, il y a un petit trap qui traîne derrière. En mode oulala, je suis caché. Oh l'enflure! On va pas revenir ici non? Bah si tu me ramènes là-bas. Oh c'est immonde le petit coup là! C'est quoi, fais-toi dans le vide? Je vais cramer le cul! Là par contre, sur le côté, je sais pas aller là. Oh là-haut, je crois que je vous prie, forme. Avec le tuyau, il faut atteindre en planant. Non, c'est tellement simple à tuer. Je peux tout faire. Et puis il y a des frappes. Ça passe boosté là par contre. Alors qu'il a toujours failli se boosté. Voilà. Je vais vous poser un petit carré ici. Alors maintenant, on retourne là-haut et on va faire l'épreuve. M'attendez. Je repousse tout ce que je trouve d'affaires. Voilà. Oh, lui, où est le joyau? Bon, c'est pas grave. On va faire l'épreuve. Et c'est le putain de skate. Des fois, faut faire comme pour réussir quand je skate. Spiro, t'arrives au bon moment! Une bande de skateurs rhino nous ont mis au défi de faire une course. Ils disent que t'es plus lent qu'une limace de feu, mais enfin, la course. Fait tri qui disait sur votre carré, d'accord. Ok, faut recommencer donc les trucs. Sans vous faire. Okay.
petit trick. Toi. La tête en plus. Ouais. Donc Oliver. Ouh, j'ai réussi le truc, je crois le plus chiant. Donc Oliver Twist est sauvé. La question c'est, est-ce que ça valait le coup? Ça y est, les rhinos sont partis. Est-ce que tu veux essayer de... Oh non, maintenant voilà, je vais dire. J'ai les crabes. Il est là-bas. Il faut des crabes, c'est bon. Oh la vache. Et au moins, je suis en l'air, regardez, voilà ça. Non. Regardez-moi ça là. Merde. Est-ce que je vais être derrière moi? Il va être plus facile, il va être plus avant. C'est bon, il c'est plus un joyau en plus. Voilà. On va voir le machin. C'est... Quitte à perdre, autant perdre en... Toujours le roi du monde. Bon, on va réessayer. Mais putain, je panique comme un con au début.
réussis à récupérer, c'est pour frapper les Trabalacros. J'ai dit qu'on sort pas, c'est de con. Il faut pas que je vote dès le début aussi, regardez-moi ça. Mais on va recommencer. Parce que dès le début j'ai foiré là. Si je me vautre à chaque fois comme un crétin. Bah c'est pour ça que je... si vous va vous gonfler. Récupérer l'œuf, Aiden, Aiden Pierce, Watchdog. Bon, on va donc maintenant pouvoir s'éclater à récupérer deux documents. Et quoi ça?
à droite. On va quitter la course, voilà. C'est bon, on peut se tirer. Bon, bah, les prochains t'es fait. Du coup, ben, on va finir de récupérer les joyaux dans l'eau et on va se barrer. Toi, je suis un petit peu aussi, je vais oublier. Il est tombé dans dans l'espèce d'acide. Et là, il y a un œuf qui nous a avec la cible. Chad. Chad Vader. C'est référence débile, moi, pour ça, ça fait peur. Bon. Maintenant, on va explorer la partie droite. Alors, on va retourner sur la cible. Je vais prendre mon temps. Je vais avoir revu en ce monde de merde. Non, c'est pas plus ça me fait des oignons et les œufs, mais bon, non, c'est pas simple. Une question. Attends, il reste combien de joyaux à trouver dans ce monde de merde? Oui, j'ai beaucoup de monde de merde et bon, ce monde me pourrit la vie. 35. Tous les coups, je parie que c'est l'autre sous de l'acide. Avant ici, il y avait encore plein de joyaux en dessous. Allez, ça va, il y a plein en tout là. Par contre, le passage sous-marin pour les avoir. Hurrah! On va pouvoir quitter ce monde! Magnifique! Et j'en ai fini! Alléluia! Ouf! Et voilà! Sayonara! Est-ce qu'on va enfin bientôt dépasser les 4000 joyaux? Et oui! Déjà, je propose que l'on s'arrête là pour aujourd'hui! Ça nous a fait un bel épisode! Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.